Nous allons reprendre la lecture du Sriman Bhagavatam, le deuxième chant, chapitre 3, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devim mayam tu shri kamas. Devim mayam tu shri kamas. Tejas kamo vibhavasum. Tejas kamo vibhavasum. Vasu kamo vasun rudran. Vasu kamo vasun rudran. Virya kamo ta viryavan. Virya kamo ta viryavan. Traduction. Une personne qui désire le bonheur matériel doit adorer Durga. Celui qui cherche la puissance, Agni, celui qui veut les richesses, les huit vasus, et celui qui désire la virilité, les Rudra. Om Agena Timilandasya Dhananjala Shalakaya Shakshulumilitam Yena Tashmei Shri Gulave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kalamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutu Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namahum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Vrindaye, Tulasi Devyaye Priyaye, Kesavyasacha Krishna Bhakti, Prade Devi Satyavatye, Namo, Namaha. J'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara et de tous les dévots et les Vaishnavas assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui des divertissements du Seigneur. Je vais relire le verset de jour. Une personne qui désire le bonheur matériel doit adorer Durga, celui qui cherche la puissance Agni, celui qui veut les richesses, les huit vasus, et celui qui désire la virilité, les Rudra. Ce verset parle d'un terme très important, le désir. Et c'est la clé de la réussite, tant matérielle ou spirituelle. Dans ce qui nous concerne, c'est la clé de la réussite, c'est le désir. Les grands acharyas, les Vaishnavas, nous parlent très souvent de l'importance de désirer, de cultiver un désir pour pouvoir progresser. Et l'image qui ressort, et que je prendrai par rapport à ce qu'a dit hier Soudham Prabhu, sur l'escalier de la transcendance, et qu'il y a différentes marches, et suivant
l'influence des trois gunas, la vertu, la passion, l'ignorance, nos désirs sont adaptés, parce qu'on a un corps et un conditionnement adaptés, et donc on va cultiver certains désirs. Mais on voit que malgré tout, le Seigneur comble tous les désirs. Parce que dans les versets que l'on parle en ce moment, ce sont des désirs matériels, ils expliquent les différents désirs et qui il faut adorer pour combler nos désirs. Mais en fait, dans la Bhagavad Gita, le chapitre 7, Krishna il dit qu'au final, le but ce sera de retrouver notre relation avec lui. Il dit « Bhaunam janmanante » Yanavan mam papadiyante vasudev salvam hiti sa mahatma su durlaba pardon. Après de très nombreuses naissances et de pratiques spirituelles, lorsqu'une personne atteint la connaissance de voir toute chose consciente comme inerte, reliée à Vasudev, autre nom pour désigner Krishna, elle s'abandonne à moi et accomplit mon adoration. Une telle grande âme est extrêmement rare. En fait, ce verset explique le but de la vie. Pour toute âme incarnée, le but, c'est de retrouver notre relation éternelle avec le Seigneur. Mais, comme il est dit dans ce verset-là, c'est extrêmement rare. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi c'est rare ? Parce que, comme on a expliqué, il y a l'influence de l'énergie matérielle, elle est très puissante. Et donc, l'âme incarnée, elle est venue dans ce monde matériel parce qu'elle a désiré son indépendance du Seigneur. Elle a voulu se couper de sa relation éternelle avec le Seigneur. Donc le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il a créé ce monde matériel pour que les âmes puissent expérimenter leur indépendance. Et qui dit expérimenter son indépendance veut dire identification au corps, puisqu'on est recouvert par des couches, corps subtil, corps grossier, corps subtil. Et l'identification au corps nous donne une conscience. Et cet état de conscience va nous créer des désirs qui vont être adaptés à notre identification hors corporelle. On peut prendre un exemple, quand on est un enfant, on a des désirs très basiques. Quand on est bébé, on veut manger, dormir, voilà, c'est tout simple. Quand on grandit, au contact de l'énergie matérielle, au contact d'interaction avec d'autres personnes, les désirs se cultivent. Et là, ce qui est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, c'est que quand on a une conscience au niveau de l'ignorance, qu'on est vraiment recouvert par l'ignorance, le guna de l'ignorance, en fait, les désirs sont très matériels. C'est pour ça qu'il est dit, par exemple, dans ce verset, que si on veut le plaisir matériel, il faut adorer Durga, parce que Durga est l'incarnation de la protectrice du monde matériel. Et donc, on la vénère pour pouvoir avoir des biens matériels. Mais, en fait, ce qui se passe, ce qui est écrit dans les écritures, ce que les Vaishnavas, les Acharyas nous disent, c'est que en fait, c'est un samskara. Enfin, après, c'est le cycle sans fin des morts et des renaissances. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé notre relation éternelle avec le Seigneur, on va rester dans ce monde. Et donc, on va cultiver un désir, on va avancer. Et puis, à force de progresser, par exemple dans la forme humaine, parce que c'est la forme la plus adaptée pour retrouver notre conscience de Krishna. Enfin, notre conscience du Seigneur, pardon. En fait, il est dit qu'à un moment, l'âme va tellement orienter ses désirs pour cultiver le désir matériel, pour avoir des biens, il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il va expérimenter à la fois du bonheur et du malheur, la dualité de ce monde, comme le chaud, le froid, le bonheur et le malheur. Mais à un moment, il va se rendre compte que ce bonheur, il est temporaire. Il n'est pas de substance éternelle. Donc, il va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui le manque. On le voit, par exemple, quand vous avez... on regarde une fleur. On va regarder une fleur quand elle est belle, quand on la voit. Elle est magnifique, on la trouve belle. Mais à un moment, elle va se faner. Donc, pareil, le désir, il va être là. Mais à un moment, on va se rendre compte que... Bah oui, mais il n'y a pas de... Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais tant qu'on ne pose pas la question pourquoi je souffre, pourquoi je n'arrive pas à avoir ce bonheur permanent, on est limité. On reviendra toujours. Et le Seigneur est miséricordieux parce que dans cet escalier, il met différentes voies. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne veulent pas du Seigneur. Et donc pour ça, il laisse l'énergie matérielle
agir, et donc il y a des devas pour avoir des plaisirs matériels. Ensuite, à un moment, l'âme va se tourner vers une vie intérieure parce qu'elle va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Il y a un vide dans son cœur. Elle va se dire « Pourquoi je souffre ? Pourquoi je... Quel est le but de ma vie ?» Et à partir du moment où on se pose le but de « Quel est le but de ma vie ?», on va engager un chemin. Et du coup, le désir va être différent. On va se dire « Je veux désirer sortir de la souffrance. » Par exemple, dans ce monde matériel, c'est ce qu'expliquaient les classes précédentes, souvent, en fait, le bonheur, c'est juste l'arrêt de la souffrance. C'est un peu comme une personne qui se noie, et se noie, et puis à un moment, elle arrive à sortir la tête de l'eau, elle se dit « Ah, ça va, je suis heureux. » Alors qu'en fait, elle est toujours dans l'eau, et elle n'est pas sortie de la fin de cet empêtrement. Et on est vraiment, les âmes conditionnées, on est enfermées dans ce cycle permanent. Et la puissance de Maya, l'énergie interne du Seigneur, c'est qu'en fait, on croit qu'on est heureux. Elle est tellement puissante qu'on s'identifie tellement à ce corps en disant « Oh, je suis un homme, je suis une femme, je suis ce corps, et donc c'est moi. » On a un faux ego énorme que Maya nous permet de penser qu'on est bien, que d'avoir une vie matérielle, avoir tous les désirs qui sont comblés, on va être heureux. En fait, on s'aperçoit que pas du tout, on ne peut pas être heureux. Il y a une analogie qui est mise dans la Bhagavad Gita, c'est que quand on nourrit les désirs matériels, c'est comme si on mettait de l'essence sur un feu. Quand vous mettez de l'essence sur un feu, ça ne s'éteint pas, ça augmente de plus en plus. Mais comment, en fait, on peut sortir de ce mécanisme matériel, de ces désirs matériels? Parce qu'on pourrait se dire, ben, on ne s'en sortira jamais. Si, parce qu'à un moment, le Seigneur, il va, par rapport à nos sukritis des vies passées, puisque chaque vie, chaque pas fait vers le Seigneur nous rapproche et est gagné, il est acquis à vie, éternellement. Donc à un moment, le Seigneur va nous faire rencontrer des personnes qui vont nous aider à progresser sur le chemin spirituel. Ça peut être juste, par exemple, quand on parle les Mayavadis, enfin les bouddhistes, on va prendre l'exemple des bouddhistes. Par exemple, les bouddhistes, eux, Dieu n'existe pas, nous sommes tous Dieu, nous faisons un, mais ils développent une certaine compassion, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la violence. La non-violence est une des valeurs qu'ils prônent. Et donc, la non-violence, le bon respect, donc en fait, progressivement, on peut faire un pas. Dans la religion chrétienne, c'est pareil, tu ne tueras point. Dans la religion musulmane, en fait, le fait de la non-violence, c'est un principe éternel dans chaque chemin spirituel. Et c'est très important de commencer. Et à un moment, quand le désir va être de plus en plus fort de vouloir sortir de la souffrance, d'en avoir marre de toujours goûter des joies et des peines, que ça ne s'arrête jamais, à un moment, le Seigneur va nous mettre sur notre chemin une personne qui va nous aider à progresser. Il va nous mettre des écritures saintes énoncées par le Seigneur. Il va nous mettre un maître spirituel, un guide spirituel qui va faire que... ou un livre, juste un livre. Et là, on va avoir un goût qui va augmenter. Et progressivement, on va avancer et changer notre désir. Notre désir va changer pour qu'à la fin, le désir... par exemple, si on adore les demi-dieux, comme dans le verset ici. Les demi-dieux, en fait, il est dit dans la Bhagavad Gita qu'ils ne sont juste les serviteurs du Seigneur, et ils ne peuvent rien donner sans l'aval du Seigneur. Donc indirectement, en fait, on désire se rapprocher du Seigneur, c'est-à-dire qu'on comble les désirs, mais le Seigneur, il va aller au-delà de nos désirs matériels. Il va nous mettre dans une situation où un jour, on va changer notre désir. Et ça va se faire tout en douceur, ça va être très très progressif, puisque les Écritures le disent, que le chemin spirituel, c'est progressif, et qu'il y a différentes voies, et c'est juste. C'est même merveilleux de voir tous les chemins, comment le Seigneur comble tous les désirs et nous met les bonnes personnes sur notre chemin au moment où on en a besoin. C'est incroyable. On peut voir, quand on développe une vie spirituelle où on observe notre vie,
où on se met au niveau de l'âme, on s'aperçoit comment tout est merveilleusement agencé. C'est un univers merveilleux, tout est millimétré, c'est scientifique, effectivement. Mais le Seigneur, et la qualité première du Seigneur, c'est qu'il nous laisse notre liberté, c'est-à-dire qu'il ne nous impose rien. Il nous guide, il est dans notre cœur, il est à côté de nous, il nous observe, et il nous satisfait, enfin il nous comble par rapport à ce qu'on a besoin, mais il nous laisse libre d'expérimenter, de faire nos erreurs. Et à un moment, comme à un père bienveillant, qui laisse par exemple, un père va dire à son enfant, « T'approches pas du feu, ça brûle. » Tous ceux qui ont eu des enfants ont tous fait l'expérience qu'on a beau dire ça, tant que l'enfant ne fait pas l'expérience de se brûler, ça ne marche pas. Et à un moment, quand il dit « Ah oui, ça brûle », il écoute. Eh bien, on est exactement pareil. Les âmes conditionnées, on est tous pareils. Donc le Seigneur, de la même façon que nous, quand un enfant ne veut pas écouter « Attention, tu vas te brûler », il nous a dit « Mais viens pas dans le monde matériel, tu vas te souffrir », il nous laisse. Parce qu'on a le libre arbitre. Parce que c'est le Seigneur suprême et il est que miséricorde et que amour. Et donc, par amour, il accepte de nous laisser expérimenter notre souffrance et qu'un jour, il le sait, on reviendra à lui parce que c'est notre éternité, c'est notre réalité éternelle et qu'il ne peut pas être autrement. Et progressivement, lorsqu'on rencontrera une personne authentique, un maître spirituel, qu'on prendra vraiment refuge de lui et qu'il nous guidera par rapport à notre conditionnement, qu'il nous mettra le processus qui nous convient par rapport à le service qui nous convient quand il nous engagera dans le service de dévotion, alors progressivement on retrouvera notre réalité éternelle et un jour on atteindra le but de la vie. Et même si le chemin est long, si le désir est sincère, vraiment, et si on adopte la bonne attitude, comme les acharyas, comme Bhaktivinoda Thakur nous l'explique dans le Sharanagati, quand Chaitanya Mahaprabhu l'a dit dans son verset du Shikshastaka, le troisième verset, Trinadapisunichena, si on arrive à vraiment développer la bonne attitude et prendre vraiment refuge du Seigneur à travers son représentant authentique qui est le maître spirituel, alors, à travers le service de dévotion, à un moment, on va progressivement s'abandonner et on va pouvoir expérimenter le fait qu'on verra tout en lien avec le Seigneur et on s'abandonnera complètement à lui. Même si c'est rare, c'est pas impossible. Donc c'est notre but, c'est de cultiver ce désir. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à travers l'association des dévots. Parce qu'effectivement, il n'y a que par l'association qu'on peut arriver à cultiver un désir supérieur. En fait, au début, on goûte quelque chose, et après, quand on voit une personne plus avancée que nous, qui goûte quelque chose de plus, on se dit « c'est intéressant ». Et quand on voit que cette personne, elle est authentique, le maître spirituel est quelqu'un d'authentique, on se dit « je vais m'abandonner parce que lui, il va m'aider. Il va vraiment m'aider parce qu'il est miséricordieux et que c'est le représentant du Seigneur. » Parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur. Donc le Seigneur est obligé d'envoyer ces purs dévots pour pouvoir nous aider à progresser. Parce qu'il nous attend, en fait, tout simplement. Et je voulais vraiment partager une histoire qui, pour moi, représente vraiment ce cheminement où on part d'un désir matériel et on arrive à un désir pur. C'est l'histoire de Dhruva Maharaj, dans le troisième chant du Srimad Bhagavatam. C'est vraiment une histoire qui m'a marquée parce que je trouve qu'elle représente bien ce verset et ces différents versets. Alors Dhruva Maharaj, la période où c'est arrivé, il a 5 ans. Donc il est le fils de Uttanapada et de Suniti. Pardon. Alors Suniti, c'est une Vaishnavi. Et Uttanapada est le fils de Svayambhuva Manu, donc un des enfants de Brahma, un des Manu. Et il avait deux épouses, Suruchi et Suniti. Et en fait, Suruchi, était son épouse préférée. Et ça, c'est un petit problème quand il y a une préférence. Normalement, dans la culture Vaishnava, en fait, les rois aimaient leurs épouses de la même façon. Mais on est dans un monde matériel. Et puis, pour le divertissement du Seigneur, pour nous montrer, nous enseigner, en fait,
Il met parfois ses purs dévots dans des situations pour qu'on puisse comprendre que l'énergie matérielle est très puissante. Et donc, il avait, Suruchi, son épouse préférée, avait un fils qui s'appelait Uttama, et Suniti avait un fils qui s'appelait Dhruva. Et en fait, Suruchi avait un certain orgueil d'être la préférée du roi. Et ça va déclencher quelque chose qu'on va expliquer maintenant. En fait, un jour, le roi avait son fils Uttama sur les genoux, et Dhruva avait un tel désir, c'était un enfant de 5 ans, et donc il avait le désir de venir sur les genoux de son père, comme tout enfant. Mais là, Suruchi, de par son orgueil d'être la préférée, le repousse en lui disant « Non, tu peux même pas imaginer pouvoir t'asseoir un jour sur les genoux de ton père, tu ne pourras pas avoir ce... comment dire... tu n'as pas la naissance, comme tu n'es pas né de mon sein, en fait, tu ne peux pas avoir ce mérite, cet honneur. Et donc, abandonne tout de suite l'idée, va adorer le Seigneur pour pouvoir renaître dans mon sein, et là, éventuellement, tu auras l'honneur de pouvoir monter sur les genoux de son père, de ton père. Et Dhruva, qui avait 5 ans, avec beaucoup des attachements, il a été profondément blessé par ses paroles. Donc il a été prendre refuge de sa mère, Suriti, qui était une grande Vaishnavi, vraiment une Vaishnavi très, très dévouée, et qui lui a dit, en tant que Vaishnavi, lui dit « En fait, ta belle-mère a raison. Effectivement, seul le Seigneur, l'adoration du Seigneur pourra combler tous des désirs. » Et du coup, avec beaucoup d'amour, d'affection, elle l'a incité à aller à prendre totalement refuge dans le Seigneur suprême, dans son adoration, et vraiment cultiver pour pouvoir atteindre le but de sa vie. Et en fait, il est dit dans le Srimad Bhagavatam que Dhruva Maharaj était quand même d'une nature kshatriya. Et donc les natures kshatriya sont assez passionnées. Et il était très en colère par rapport à sa belle-mère. Il n'arrivait pas à calmer sa colère. Et comme il était très attaché à sa mère et il avait une foi totale en sa mère, qui était comme son maître spirituel, il s'est détaché complètement de ses attachements. Il a coupé ses attachements et il est parti dans la forêt. Mais dans son désir à lui, pour ça le désir, son désir premier était d'avoir un royaume plus grand que son arrière-grand-père Brahma. Il voulait montrer à tous qu'il aurait le royaume, il sera plus important que son père, qui était l'empereur de la terre, et donc son royaume sera plus important, et donc il a commencé à cultiver ce désir. Et sur le chemin, en fait, Narada Muni, le grand dévot du Seigneur, a ressenti une immense compassion envers cette âme spirituelle, pour Dhruva Maharaj. Et du coup, il est venu le rencontrer pour lui dire, au début pour le dissuader de faire ça. Il dit, tu sais, c'est très dur d'adorer le Seigneur, de méditer en permanence sur le Seigneur. Tu as que 5 ans. Pourquoi t'embêter? Tu as le temps, fais ta vie, fais tes expériences, et puis après, quand tu seras plus grand, tu pourras complètement t'abandonner au Seigneur. Mais là, c'est trop dur, tu sais, c'est pas facile, même les grands sages ont du mal à arriver au but de la vie. Mais Dhruva Maharaj était un kshatriya, et une des qualités du kshatriya, c'est qu'ils sont déterminés. C'est déterminé, c'est déterminé. Donc du coup, il avait ce désir, il a beaucoup respecté Narada Muni, il a dit « J'entends bien ce que tu me dis, mais non, j'ai ce désir en moi, et s'il te plaît... » Et là, il a pris refuge du maître spirituel. Il a pris refuge de Narada Muni en disant « Mais ce désir, je ne suis pas apaisé de ce que tu me dis. J'ai encore cette colère en moi, j'ai encore ce désir. S'il te plaît, comment parvenir à atteindre cet objectif? S'il te plaît, aide-moi. » Et là, Narada Muni, voyant l'abandon de ce dévot, il a accepté de le prendre comme un disciple, et il l'a enseigné, il a dit « D'accord, donc tu vas aller dans la forêt, tu vas méditer, tu vas faire des pratiques. » Donc il lui a donné tout le process à suivre,
Et il lui a donné le, il l'a initié au mantra, celui qu'on dit avant de lire le Srimad Bhagavatam, c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et il lui a dit, pendant 7 jours et 7 nuits, tu vas ne répéter que ce mantra. Et tu vas méditer. Et là, il a donné tous les détails du Seigneur, comment méditer sur ses pieds, sur la radiance du Seigneur. Il a décrit le Seigneur dans toute sa splendeur, dans tous les détails, et il lui a dit, médite à chaque instant sur le Seigneur. Et tu vas voir, tu vas atteindre le but de ta vie, qui était d'avoir un royaume plus grand que son père. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit d'aller dans la forêt Madhuvana, sur la rive de la Yamuna, parce qu'il dit c'est là où le Seigneur Hari se divertit en permanence. Donc, c'est ce qu'a fait Dhruva Maharaj. Et ça a duré pendant 6 mois. Le premier mois, il a mangé un repas tous les 3 jours avec des baies de la forêt. Le deuxième mois, il a mangé tous les 6 jours, mais juste de l'herbe et des feuilles sèches. Le troisième mois, il n'a bu une fois tous les 9 jours. Le quatrième mois, il ne vivait que d'air et il ne respirait que tous les 12 jours. Et au cinquième mois, au début du cinquième mois, il a complètement contrôlé sa respiration et il s'est fixé sur une jambe et il a fixé la forme transcendantale du Seigneur dans son cœur et il est resté comme ça. Mais le problème, c'est que comme c'est un grand Vaishnava, avec une force spirituelle intense, les 3 mondes ont commencé à trembler. C'est-à-dire que quand Dhruva Maharaj a retenu sa respiration, les demi-dieux ne parvenaient plus à respirer. C'est comme s'il n'y avait plus d'air. Et donc forcément, ils sont allés s'enquérir auprès du Seigneur Vishnu en disant... Pardon. C'est certaines planètes des demi-dieux. Brahma et cette sage n'étaient pas touchés par ça. D'accord, oui, pardon. Donc ceux qui ont été touchés, pardon, donc Brahma, ils sont allés voir Brahma pour dire « on a un problème parce qu'on ne peut pas respirer ». Et Brahma est allé voir Vishnu, oui c'est ça, voilà. Brahma est allé voir Vishnu pour expliquer la situation. Et là, Vishnu a dit « oui, c'est mon dévot qui fait des austérités, qui m'adore, et je vais aller le voir parce que, voilà, je vais pour le satisfaire, pour le combler ». Et donc, Vishnu est descendu sur la terre voir Dhruva Maharaj, qui était en méditation. Et à un moment, dans sa méditation, il a ouvert les yeux et il a vu son Seigneur merveilleux devant lui. Et il s'est retrouvé complètement bloqué. Oui, on va dire ça comme ça. Enfin, il ne pouvait plus parler parce qu'il voulait l'adorer, le vénérer, lui offrir des prières. Et en fait, il ne pouvait pas parler parce qu'il était tellement émerveillé de le voir devant lui. Et ce n'est que par la miséricorde de Vishnu qui a posé sa conque sur sa tête, que là, parce que la conque est considérée comme les Védas, c'est la transmission des Védas, donc du coup là, Dhruva Maharaj a reçu toute la connaissance des Védas, et il a pu vraiment exprimer toutes des prières magnifiques qu'il a pour adorer son Seigneur, pour lui exprimer tout son amour, tout simplement, et sa dévotion. Et Vishnu a été très satisfait de cet abandon, de cet amour, de ses prières. Et il lui a dit, je vais combler ton désir. Tu voulais un empire plus grand que Brahma. Je vais te donner une planète, une étoile, Dhruvaloka. Elle s'appelle une planète qui s'appelle Dhruvaloka et qu'on connaît, nous, dans le monde matériel, comme l'étoile polaire. En fait, cette planète-là, elle est particulière parce que à la fin du jour de Brahma, quand l'univers est détruit, elle n'est pas détruite. Il a une bénédiction particulière où cette étoile reste tout le temps. Et quand Dhruva a reçu cette miséricorde, il s'est rendu compte de son erreur, que son désir au départ était complètement matériel, avec faux égo, et à un moment il s'est rendu compte que, oh, malgré que j'avais un désir matériel, le Seigneur est tellement miséricordieux
qu'il m'a donné ce désir, alors qu'en fait, j'aurais pu lui demander de pouvoir entrer dans son service de dévotion. Et là, il a commencé à se repentir sur son chemin, comment son désir premier était faux, enfin, il était pas faux, biaisé, enfin, je sais pas comment expliquer, il était pas juste, en fait, et il était pas authentique. Mais que le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il lui a attribué un désir, enfin, il lui a comblé son désir, mais en même temps, il l'a récompensé parce que, comme sa planète ne se détruira jamais, il pourra toujours être engagé dans son service. Et après, Vishnu lui a demandé de régner sur la planète Terre pendant 36 000 ans. Alors, à cet âge-là, forcément, il vivait beaucoup plus longtemps, mais 36 000 ans, c'est quand même énorme. Et d'être un roi authentique, d'accomplir des sacrifices et des adorations pour le plaisir de Vishnu, pour pouvoir être un roi juste envers son peuple. Et c'est ce qu'a fait Dhruva Maharaj. Et vraiment, son désir, il a vraiment été comblé. Enfin, moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, de ce merveilleux divertissement, c'est que d'un désir complètement matériel et lié au faux ego, le Seigneur, comme son désir et son adoration, comme il a suivi les instructions de son maître spirituel, progressivement le désir a changé et son attachement au Seigneur a été tellement puissant qu'à la fin, en fait, il a eu encore plus que juste ce qu'il voulait au départ, parce qu'il a vraiment eu l'amour du Seigneur, le pur amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable et qui donne une espérance, et une merveilleuse espérance. Et voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Gaura Premande.